Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de Maeva Ghennam et Greg. Vous devez sûrement les connaître de par leur histoire d'amour sans fin sur différents tournages. Maeva et Greg ont participé à de nombreuses émissions de télé-réalité. Ils ont récemment participé aux Marseillais à Dubaï et ils se sont mis en couple là-bas. Tout se passait extrêmement bien, sauf qu'il y a quelques instants, Maeva et Greg ont annoncé leur rupture sur Snapchat. En effet, leur rupture a été brutale et a choqué pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse avec les extraits et surtout n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Mes amours, moi j'ai fait ma douche. Alors aujourd'hui, voilà, j'avais pas trop le moral. Mais vous savez, ça m'a fait du bien. Il y a la famille d'Akram qui est en visite à Dubaï, sa soeur, son beau-frère et ses neveux. Du coup, ils sont venus à la maison prendre le café et franchement, ça m'a fait trop du bien. Et je suis trop contente. C'est pour ça qu'Akram, en fait, il n'est pas souvent avec moi en ce moment parce qu'il y a sa soeur qui est là, il y a sa famille qui est là. Donc, il passe du temps avec eux et moi, ça me fait trop du bien parce que je pense qu'il en avait besoin. Lui aussi, ça fait un moment qu'il n'a pas vu sa famille. Ça fait comme moi, 3 mois. Et du coup, il en a besoin. Et franchement, j'étais trop contente de les rencontrer parce que, bah, vous le savez, moi, Akram fait partie de ma famille. Voilà, pour moi, c'est comme si Akram et moi, on avait le même sang. Et du coup, c'était important pour moi de rencontrer sa famille. Et parce que bah, la famille d'Akram, c'est aussi ma famille, puisque Akram, c'est ma famille. Donc, du coup, ça m'a fait trop du bien. Voilà, de les rencontrer. Ils sont trop choux, ils sont adorables, ses neveux aussi. Donc je suis trop contente. Là du coup je pars dans pas longtemps. Akram aussi va rentrer en France, mais pas de suite. Donc là j'ai toujours pas fait ma valise et je suis censée partir très bientôt. Donc là je vais attaquer ma valise et je rentre en France. Je suis contente. Voilà, j'ai l'avion bientôt et voilà, ça va me faire trop du bien. J'ai trop hâte d'arriver demain. Donc voilà, go préparer sa valise. Je prépare mon maquillage pour partir. C'est du Maeva Ghennam Gucci, nouveauté. Les nouveaux gloss, ils sont pas encore sortis. Sinon, j'en ai pris qu'un seul de gloss. J'ai pris la teinte Zola. Voilà, j'ai pris rouge à lèvres MG10. J'ai pris la poudre libre Ina. Blush highlighter. Voilà. Je profite de mon fils parce que là il va aller à l'école des chiens, mon fils. Hein? Tu vas à l'école des chiens? Tu vas t'amuser avec plein de chiens comme toi? Tu vas te régaler, mon fils? Je t'aime. Mon amour, il est triste. Tu sais qu'on va. Bah oui. Arrête, je vais pleurer. Non, mon fils. Non, mon amour, il est triste. Retour aux sources, retour en France, j'ai trop hâte d'arriver. Maman. Maman.
refus de me lever. Je l'ai pas senti mon vol. J'ai fait que dormir. Maman, t'as bien dormi? La mise à bord, je craque. Ça fait, je crois, qu'une heure qu'on est arrivé, mais l'avion, il n'y a pas de parking. Donc, du coup, on attend d'avoir un parking. Ça fait une heure qu'on attend. J'espère que je ne vais pas rater mon vol pour Marseille. Là, il y aura eu très long du vol. L'avion, il est 8h du matin, on a atterri à 7h, ça fait une heure. Il n'y a pas de place de parking. Ça fait, on attend, ça fait une heure, mais moi, j'ai pas envie de rater mon vol. Hein. Pourquoi j'arrive en France si j'ai des couilles? J'ai le noir. Je comprends pas. Je peux plus, je suis fatiguée en plus. Les bébés, on m'a sauvé la life. Merci les filles. Vous êtes au top. Elles sont en train de me ranger mes valises comme jamais en fait. Voilà, bravo. Bravo les filles. A like it, allo vite. Y'a maman, elle est là. Tata, salam alaikum. Et comment on dit en italien? Arrivederci. Ciao, ciao bambino. Et elle, elle est là, elle regarde les travaux finis. Alors toi, tu te vois vraiment bien toi. Bah. Finito, Pipo. Je suis triste. On est sur un départ. Triste départ. Mon frère d'amour. Mais un grand départ. Loyal. 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 Tu as manqué. Tu as manqué, petit Assaï. Tu as manqué, petit frère. Allez, ça y est. On y est presque. 5 valises. C'est Dieu qui donne, mon bébé. Les thank you sir, ça m'a gonflé. Hi sir, ça m'a gonflé. Hello, I'm going to apart, ça m'a gonflé aussi. Ça y est, retour en France, les bébés, où je suis à l'aéroport. Alors je me suis enregistré, j'ai pris mes petits billets. Je décolle à 1h40, donc dans 40 minutes. Je suis vraiment soulagé de rentrer après ça. Me fait un peu de peine quand même, je vous dis la vérité, parce que je m'étais quand même un petit peu habitué à Dubaï, mais ça va me faire beaucoup de bien de rentrer, ça va me faire du bien de me ressourcer et surtout de voir mes amis. Je me languis, je vais retrouver mon chez moi, je vais retrouver toutes mes habitudes que j'avais perdues, les bébés. Donc je suis content, je suis vraiment très 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 content. Et les bébés, vous le savez, comme je dis, c'est Dieu qui donne, mon bébé. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Je suis content, là. Papa, papa, papa. Dans papa. Il y a papa. Ah ouais, on va se régaler, frère. C'est tout 30 jours, frère. Et à la vite. Vous allez rigoler, je vous explique. Regardez. Ça, je peux pas le manger. Le saumon fumé, je peux pas. C'est un poivre, ça il manque. Non, pas du tout, en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, il n'y a qu'à moi que ça m'arrive, j'ai jamais de chance, c'est pas grave. Je vais manger ça. Donc ça, c'est le petit déjeuner à l'arrivée. Et donc du coup, à l'arrivée, je vais manger ça, mais j'aime pas ça. Donc quand je vais arriver, je vais manger. J'ai pris ça. Mixed grill, poulet, saucisse de bœuf. J'ai jamais de chance. Il faut qu'il y ait du saumon fumé, alors que j'aime pas ça. Je comprends pas. Ils peuvent pas mettre plusieurs choix.
Bon, les bébés, la France, il caille. Tu fais moins 8000, frère. Moins 8000. Mais ça fait du bien, ça m'avait manqué le frère. Bon, les bébés, l'odeur de la France, ça m'avait manqué, les bébés. Oh là 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 là. Je suis content. Hein. Salut les bébés. Welcome to Marseille and Marignane. I like it, I love it. Bon. Salut les bébés. Sauf qu'il revient les bébés. Marseille, Marignane, I like it, I love it. C'est Dieu qui donne. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.